Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission « Dieu nous parle ». Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre « La création », les pages 21 à 28 dans le livre « Patriarches et prophètes », livre écrit par Ellen G. White. « Dieu est amour, sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. Tel il est, tel il a été, tel il sera. En celui qui siège sur un trône éternel, qui habite dans une demeure haute et sainte, il n'y a aucune variation ni aucune ombre de changement. » Chaque manifestation de sa puissance créatrice est l'expression d'un amour infini. À tous les êtres, la souveraineté de Dieu assure des bienfaits sans borne. Chapitre 1, page 9 du livre « Patriarches et prophètes », livre écrit par Ellen G. White. Si les hommes consentaient à accomplir leurs devoirs comme de fidèles dispensateurs des biens du Seigneur, personne ne souffrirait de la faim ou de l'indigence. C'est leur infidélité qui est responsable de la misère dans laquelle est plongée l'humanité. Dieu a fait des hommes ses économes et il ne doit pas être accusé d'être l'auteur de la souffrance, des privations et de la misère qui existent sur la terre. Il a pourvu abondamment aux besoins de tous. Extrait tiré du livre Welfare Ministry, le ministère de la bienfaisance, au chapitre 1 à la page 16, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, examinez attentivement la dernière citation d'Ellen White ci-dessus. Que dit-elle? Selon elle, qui est responsable de toute cette pauvreté dont nous sommes témoins? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance d'un économat fidèle? Après des milliers d'années de misère causée par le péché, comment est-il possible de voir encore combien la création est bonne? En tant que peuple qui croit en un Dieu créateur, que peut-on faire pour aider les autres à voir cela? Que comprenez-vous par économe? Dans la leçon de cette semaine, y a-t-il quelque chose qui a fait évoluer votre façon de penser sur ce que signifie être un intendant, en particulier puisque nous sommes appelés par Dieu? Comment cela pourrait-il changer nos relations et notre manière de traiter les autres si nous pouvions voir un signe sur chaque personne qui nous rappellerait qu'elle est créée par Dieu à son image et aimée de lui? Résumé, Dieu a créé un monde bon et complet, et il a désigné les êtres humains créés à son image pour cultiver et garder sa création. Bien que le péché ait brisé les relations que Dieu avait prévues à l'origine pour nous, nous avons encore un rôle à jouer comme intendant du bien de la création et comme gardien de nos semblables. S'acquitter de ce rôle est une façon d'honorer Dieu comme notre créateur. Pour conclure, en réfléchissant au thème de cette semaine, nous devrions être touchés simplement en voyant ce que Dieu éprouve envers les démunis et ceux qui souffrent. Lorsque nous opprimons ou offensons les moins privilégiés, c'est Dieu qui en est blâmé. Dieu étant amour, il nous appelle aussi à marcher dans ce même amour. Éphésiens 5, les versets 1 et 2, à montrer par nos actes qui il est vraiment à ceux en but à des circonstances éprouvantes. En voyant par ces actes que Dieu s'intéresse vraiment à eux et désire les sauver, leur cœur s'ouvrira naturellement pour recevoir l'amour merveilleux de Dieu, l'amour qui guérit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.